Bon, j'ai encore coupé la vidéo. J'ai fait la fin du jeu, mais je me suis arrêté quand je me suis rendu compte que la nouvelle unité, on pouvait mettre des archères sur les unités volantes. C'est pour ça que les unités volantes servaient à rien. Du coup, je me suis dit, je vais refaire la mission. Ensuite, j'ai recommencé et je me suis rendu compte que j'avais mis cette cutscene dans la vidéo. Et là, il n'y avait plus. Bref. Le dernier gardien. Et ensuite, on lance la mission finale et on finit le jeu. Vraiment, quelle vie quoi. Ça pour stream BF. Mais BF, c'est le 19. C'est le même jour qu'Endwalker. C'est comme Pokémon, c'est le même jour qu'Endwalker. C'est pour ça qu'Endwalker a été delay, bien sûr. Pas parce qu'ils avaient du retard, mais parce qu'ils se sont dit, on va laisser Yen jouer à Pokémon tranquille et à BF tranquille. C'est vraiment des frères. Nous Merci n'avons pas de Yoshida. temps à perdre, Malfurion. Que faisons-nous ici? Merci J'ai fait Yoshida. un songe la nuit dernière. Un Un grand corbeau songe. m'ordonnait de venir ici. Nous aussi avons été. Ils appellent ça un songe. Qui êtes-vous, étranger? Je suis Thrall, fils de Durotan, chef de guerre de la Horde. Et je suis Jaina Porvaillon. Je dirige les survivants humains de Lordaeron. Vous n'êtes pas les bienvenus en ces lieux. Paix, prêtresse. Ils sont venus vous aider contre la Légion. C'était vous dans mon rêve. Mais qui êtes-vous pour nous proposer une telle alliance? Je suis la cause du retour de la Légion. Il y a des années, j'ai emmené les orques dans ce monde. Et ce faisant, j'ai ouvert la voie aux démons. Pour prix de mes fautes, j'ai été tué par ceux qui m'étaient le plus cher. Mais malgré ma mort, la guerre a ravagé les terres de l'Est pendant de nombreuses années, dévastant des royaumes entiers sur son passage. Aujourd'hui, je suis enfin revenu pour rétablir les choses. Je suis Medivh, le dernier gardien. Et je vous le dis, la seule chance de ce monde réside dans votre alliance contre les ennemis de toute vie. Damn. Et c'est donc ça, le prophète, c'est Medivh. Et en gros, ce qu'il vient de raconter en trois phrases, c'est le film de World of Warcraft, en gros. C'est le début, je sais pas si c'est dans Warcraft 1 ou Warcraft 2, peu importe. Mais c'est quand Medivh est corrompu, amène les orques ici. Il y a même dans le film le moment où ils envoient Thrall dans un berceau, il est encore bébé, sur une rivière pour qu'il survive. La même chose que dans, je sais plus quelle histoire de l'Antiquité, les cours de latin, ça date, où ils expliquent ça. Bref. Maintenant, j'ai enfin des hippogriffes. Et il faut mettre des archères dessus et pas laisser les hippogriffes sans rien. Sinon, ils peuvent rien faire. Genre, moi, j'avais 6 unités, 8 unités, 10 unités d'hippogriffes pour rien. Et en gros, il va falloir empêcher Archimonde d'atteindre l'arbre monde pour détruire le monde, bien sûr. Et nous, pour sauver le monde. Le volume de la voix de Jaina est vraiment bas. Hein. Ils y seront d'un moment à l'autre. Il y a 10 000 ans, les elfes de la nuit ont vaincu la Légion Ardente. Alors que le reste du monde volait en éclats, nous sommes restés libres de vivre nos vies immortelles en paix, liées à l'arbre monde. Nous sommes ses protecteurs. Cette musique et incroyable. Pour accomplir cette mission, nous avons reçu notre immortalité et notre empire sur la nature. Aujourd'hui, enfin, il est temps de rendre ce pouvoir. Tu réalises que nous allons vieillir comme ces mortels? Nos pouvoirs finiront également par décliner. Si l'orgueil nous fait hésiter, mon ami, oh, Tyrande. Alors peut-être avons-nous déjà trop vécu. Je vais monter jusqu'au sommet et y préparer nos défenses. Quoi qu'il arrive, mon amour, souviens-toi que ce qui nous unit est éternel. À choix Lazare, Swallow.
Donc il va falloir retarder le plus possible la Légion. Entendez ma voix, elfe de la nuit. L'heure du jugement a sonné. On se rend pas compte, mais il est géant. Hein. Votre plan est audacieux, jeune humaine. J'ai peut-être mal jugé votre race. Puissez l'une vous sourire. Allez, cette fois on va y arriver direct. On va tout de suite y arriver. Aucune embrouille. Fiers orques et braves humains, le crépuscule approche. Et aucune embrouille. Notre heure est venue. Aucune embrouille. Hop, on met toutes les créations d'unités tout ceci ne me dit sur le héros. On amène tout le monde en bas. Le temps qu'on amène tout le monde en bas, on a mis des améliorations à commencer. Faut aller chercher druide maître le plus tôt possible. On va tout de suite construire un deuxième bazar du savoir. Ici, on va créer un putain de soldat qui va venir ici vite fait pour tout détruire. Non, on remet sur truc. Dès qu'il apparaît, je vais le choper. Là on va créer deux hippogriffes, les envoyer sur Tyrande parce qu'il y a des archers du côté de Tyrande, je pense. Il n'y a pas d'archers. Il y a deux archers, du coup ça me fera deux trucs. Ne tarderont plus à attaquer nos alliés, j'ai compris. On va prendre distance ça. Ça et ça tout de suite. Hein. Hop. On va recréer un deuxième, on l'envoie là. Il nous faut de l'or. On va pas gaspiller tout l'or. On va d'abord vite construire, vite. Un arbre de la vie. Et là, on va là. On crée ça et on défend. On défend. On prend l'ultime. Donc Malfurion, ce qu'il va faire, c'est toujours juste healer les alliés. On va essayer de focus. Focus. Oh, ces bâtards ont pété la tour. Ok. Alors. Lui, on le laisse. Et le. Il est où le. Le lion dont j'avais besoin. Il est parti. C'est pas grave. Ici, il y a un arbre de la vie qui est en train d'être créé. Alors, est-ce que il est venu là, lui? Ouais. Bam, je crée un autre arbre de la vie. Nickel. Tu vas créer quelques bazars, tu les déposes là. Bon, toi, tu le refais, tu me le mets là. Non, ça passe assez d'or. Pas assez d'or. C'est bon. Vite, eux, il faut les ramener. Faut les ramener, sinon... Non, ça fait aucun sens. Bon, écoute, Tyrande, tu vas venir là. Et même ça sert à rien, tu vas faire ça parce que ça va me permettre de... Merde. Il faut druide de maître. Pas assez d'or. J'entends la voix des lunes. Ok. Qu'il en soit ainsi. Et ici. Je sers la déesse. Alors, il faut que je crée des groupes. Qui menace la nature? Tout de suite. Sinon, ça fait aucun sens. Ashtoraman. Au nom de Cenarius. Le groupe 2, c'est toujours les mêlées. Nous n'avons aucun peu de temps. Non, tu sais quoi, mon groupe 2, je vais faire les distances. Parce qu'à chaque fois, je confonds. Et groupe 3, je ferai les mêlées. Je suis prêt. Allons-y. La déesse a recherche terminée. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? Qui menace la nature? J'écoute. Ma force est à la votre vie serve. De notre allié a besoin de nous. Recherche terminée. Allons-y. Alors là, faut que j'envoie des unités. Vite. Pas assez d'or. Bâtiment faites construit. Vite. Oh god!
Je m'occupe de tout. J'entends la voix. Allons-y. Qui menace la nature? Avouez ma pitié. La déesse appelle. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. La déesse appelle. J'attends vos ordres. Le dormeur s'est Acheteur réveillé. Roman. J'écoute. Très bien. J'entends la voix des lunes. Ah, Vitienne, je travaille. Ils viennent tellement vite, c'est abusé. Hein. On sait plus comment. On sait plus comment faire. Tac, tac, tac. La vie de notre allié a besoin de Thor. Le dormeur s'est réveillé. J'écoute. J'attends vos ordres. Est-ce que les améliorations tournent? Non! Pas assez de bois. Pas assez de bois. Comment ça, pas assez de bois? Pas assez de bois. Oh Je god. Pas assez d'or. J'ai pas mis les mecs sur le bois. La ville de notre allié a besoin de nous. Ok. Ok, je recommence. Je recommence, mauvaise gestion du bois. On devrait avoir plein de bois. On devrait pas avoir du problème de bois. Y a que ça du bois. J'ai pas mis assez de mecs sur le bois, ça va. Faut que je fasse beaucoup plus de bois. Oula, ça lag. Faut que je mette beaucoup plus de mecs sur le bois. Elfes, fiers orques et braves humains. Le crépuscule approche et l'ennemi attend. Pas assez d'or. J'attends. Je suis prête. J'écoute. Merde, je les ai déséquipés. Elysio aussi. Elysio aussi. Faut vite druide de maître là. Je suis prête. Prêtresse Tyrande, les morts vivants ont entamé la construction d'un nouveau campement. Ils ne tarderont plus à attaquer nos alliés. Je ne fais qu'un avec la terre. Je suis okay. Prête. Ok. Ouais, truc sur le bois. Qui menace la nature? La ville de notre allié a besoin de sa peine. Recherche terminée. Les morts vivants attaquent. Envoyez des renforts. Lena qui est même pas là pour combattre. Ils n'ont aucune chance. La déesse appelle. Bâtiment construit. J'entends la voix des lunes. Par okay. Une lune. Vos ordres. Recherche terminée. Faire une archère là. J'attends. Ok. Très bien. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Parlez. Ma force est à votre service. J'attends. Indiquez-moi le chemin. Nous n'avons que peu de temps. Qui menace la nature? Okay. Ok. La ville de notre allié a besoin de nous. Impossible de construire à cet endroit. Pas assez d'or. Ashtoraman. Je vous écoute. Où dois-je Ashtoraman. La ville de notre allié a besoin de nous. Je ne fais qu'un avec la terre. Qui menace la nature? Indiquez-moi le chemin. Ma force est à votre service. La déesse appelle.
J'entends la voix divine. À vos ordres. Je suis prêt. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Ok. Pas assez d'or. Ok. Pas assez d'or. Ashtoraman. Je vous écoute. J'entends la voix des lunes. J'écoute. Nous n'avons que peu de temps. La déesse appelle. Nous n'avons que peu de temps, ça n'a jamais été aussi vrai, hein. Jamais été aussi vrai. Nous n'avons que peu de temps. Jamais été aussi vrai. 340, frère. Alors. Mon arc est à vos ordres. Ashtoraman. À vos ordres. J'entends la voix. Bâtiment construit. Quelle est la menace qui pèse sur Recherche cette terre? La déesse s'appelle. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Indiquez-moi le chemin. Damn, les PV. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? Bon, là il faut que j'envoie plein d'unités. Pas assez d'or. Ok, j'ai pas encore assez d'or. Et là j'ai même pas encore commencé à construire ça. Ah, ça se passe pas aussi bien que tantôt. Hein. Ça se passe vraiment pas aussi bien que tantôt. Tantôt j'ai beaucoup mieux géré que ça. Tantôt j'ai beaucoup mieux géré que ça. J'avais tenu cette vague déjà, donc si je la tiens, ça serait déjà pas mal. Oh god. Je sais pas si je la tiens. Hein. J'ai envie de tenir Kel'Thuzad. Faut que je tienne Kel'Thuzad et que je meure sur la prochaine vague. C'est pas possible si je meurs sur Kel'Thuzad. Je perds pas assez de temps sur les humains. Je vais juste regarder. Aux armes, elfes, fiers orques et braves humains, le crépuscule approche et l'ennemi attend. Pas assez d'or. Pas assez d'or. J'entends la voix des lunes. En position, Ashtoraman. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? Nous n'avons que peu de temps. C'est fucking vrai. Notre heure est venue. C'est fucking vrai. Nous n'avons que trop peu de temps. J'entends la voix des lunes. Qui menace la nature? Ashtoraman. Putain, merde, j'ai utilisé son ult. Oh là là. Entamer la construction d'un nouveau campement. Ils ne tarderont plus à attaquer nos alliés. Recherche terminée. La ville de notre allié a besoin de nous. La déesse appelle. Je sers la déesse. Les morts vivants attaquent. Envoyez des renforts.
Vers le ciel, j'entends la voix de Dieu. Ok, beaucoup plus focus, et là déjà ça se passe un peu mieux. Ok, ok, ok. J'entends la voix des lunes. Tout de suite. Mais... Vos ordres. Information. Qui menace la nature? Tout ceci ne me dit rien. J'attends vos ordres. La déesse appelle. J'écoute. Ok. Recherche terminée. Et sur les arbres. Pas assez d'or. La ville de notre allié a besoin de nous. Qui menace la nature? Au nom de Sénarius. La déesse. J'entends vos ordres. J'entends la déesse. On focus, tant qu'on focus la même cible, c'est bon. Bon, ils l'ont détruit. Ok. Mais d'accord que les bâtiments, ils sont sur le héros. Oh, y a tellement de trucs à prendre. Pas assez d'or. Oh, ça passe assez d'or. Bâtiment. Donc, toujours pas. Ouais. Merde. Taf sur l'or. Est-ce que là ça va tenir ça? Je sais pas, enregistrer. Je suis prêt. Je sais plus c'est quoi cette attaque. C'est l'attaque des démons là. Allons-y, la déesse appelle. Ah, j'ai l'ultra. Est-ce que je la garde pour... Je vais la garder pour... Je garder l'ultra de Tyrande pour plus tard. Qu'il en soit. Bâtiment construit. J'écoute. Achetoraman. Allons-y. Je suis prêt. J'attends vos ordres. J'entends la voix. J'écoute. Bâtiment construit. Là, ça donne vraiment envie de faire l'ultra de Tyrande, hein, mais bon. L'ours va mourir, va falloir envoyer des ours. Hein. Pas assez d'or. La ville de notre allié a besoin de nous. Allons-y. Ok, ok. J'ai ultra tyrande pour après. J'attends vos ordres. Et là, non, j'ai des hippogriffes qui doivent prendre des archers. J'attends vos ordres. Vos ordres. Donc j'ai mon Allons-y. Groupe 2 qui est un peu mieux. Par contre, il faut que Malfurion soigne là. Ce qui pèse sur ces terres. J'attends. Vos ordres. Notre heure est venue. Ouais. Faut que j'envoie des ours. Ma force est à votre service. Le 3, pourquoi ils font pas du bois là? Bâtiment construit. De l'or. La ville de notre allié a besoin de nous. Alors attends. On va vite faire cette up là et on va voir. Donc, Tyrande elle est où? Malfurion. C'est bon. Ok. Jusque là c'est bon. Malfurion a fait clutch heal. Les dégâts de la petite sont pas insane. Et là faut que je continue à mettre les bonus. Pas hein. Assez d'or. Pas assez d'or, ouais, mais. Ah si, faut que je prenne ça. Faut qu'ils tapent sur l'or là. 5, ouais, tout le monde est là. Eux ils arrivent. Il faut qu'ils arrivent en ours. Je suis prêt.
Je suis prêt. Est-ce qu'ici il y a des connards? Notre heure est venue. Aussi que je les laisse un peu combattre. Hein. La déesse appelle. Le dormeur s'est réveillé. Il te fait faire un clutch dégâts juste avant Congo. Anodora. J'ai sauvegardé. Donc là, je vais faire un buff dégâts juste avant Congo. Et on va peut-être tenir ce combat. La ville de notre allié a besoin de nous. J'entends la voix des lignes. Notre heure est venue. Elle faut que je lui mette son bonus. Malfurion, faut que je le mette en heal. Hein. Y'a pas le choix. Ah, on va tuer un hippogriffe. C'est très très bien. Là, on a vraiment bien tenu. J'attends. Très bien. J'entends la voix des lunes. Par contre, faut que je refasse 3 archères, 3 hippos. Et là, faut que je commence à doubler mes bâtiments de construction. Sinon, on va jamais s'en sortir. Pas deux anciens de la guerre. Ah! À quel point? Je suis prête, la déesse appelle. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Notre heure est venue. Achetons-le. Notre heure est venue. Faut que tu rentres pas de ça. Oh putain, j'aurais dû tenir. Ouais. J'aurais dû attendre que tu rentres puisse faire. J'en étais où dans la sauvegarde juste avant que le premier le groupe d'avant attaque? Parce que là c'est les dragons. Si j'attends 20 secondes que Tyrande ait son ultra, les dragons ils vont tous se faire défoncer. Et ça, ce serait pas mal. Je sais plus qu'à. Ah ouais, ok, faut que je me retape les trucs. La ville de notre allié a besoin de nous. J'attends. Ils n'ont aucune chance. Vers le ciel. La ville de notre allié a besoin de nous. J'attends. Notre heure est venue. Ah, j'ai beaucoup mieux, moins géré là. Facile. Au nom de facile. La ville de notre allié a besoin de nous. Ça va en vrai. La déesse appelle. Vos ordres. Ça va en vrai, ça va. Fort bien. Notre heure est venue. Je sers la déesse. Il a combien? 39 secondes l'ultra tyrante. C'est l'ultra tyrante qui va clutch là. Là on est bon, on va en mettre 3 sur les arbres. Là on est bon, on va en mettre 3 sur les arbres. Là faut que Tyrande attaque mais pas les archers. Et qu'on attende que Tyrande tienne un petit peu. Les ours un petit peu. 18 secondes. 10 secondes. Ouais mais c'est les ours que je perds du coup. C'est les ours que je perds du coup. Peut-être je fais reculer les ours aussi. Ouais. Après c'est ce que je faisais avant, c'est que j'avais que les héros dans le groupe 1. Comme ça je perds pas les unités pour rien. Puis je clutch ultra toute la vague aérienne. Et puis après quand il y a des mêlées qui peuvent pas attaquer mes griffons vont les défoncer. Notre heure est venue. Merde, j'ai pas eu le temps de gérer ça. La ville de notre quelle est la menace qui pèse sur ces terres? C'est bon. J'attends. Ou 3, ou 1.
Non, il faut qu'ils reviennent. Oh, mais putain, pourquoi il y a toujours un connard qui décide de faire ce qu'il veut? Ça me pète les couilles que les unités décident d'attaquer comme ça au pif. C'est n'importe quoi. Je veux dire, par défaut, il devrait y avoir moyen de les empêcher de faire ça. Je sais qu'il y a une touche stop et ils font jamais rien. Mais par défaut, on devrait pouvoir jouer en mode c'est toi qui donne les ordres, quoi. Si je vous ordonne de mourir, vous mourrez, point barre, tu vois. Moi, je veux pas qu'il y ait d'embrouille. Quand même pas à faire beaucoup de dégâts parce qu'ils sont pas encore assez améliorés. Pas grave. Troisième ancien du savoir, frère. Un troisième griffon. Si on peut. Et là, je pense que j'aurai jamais le temps d'envoyer des unités vers là-bas avant qu'on meure, malheureusement. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Ouais. Ah, quoique, y'a peut-être moyen de tenir un petit truc. Faut voir. La vie des gens prend bien. Recherche terminée. Ouais, gros. On essaye de tenir, mais là c'est compliqué. On veut pas que Tyrande meure. Oh, pas que Malfurion meure. Au secours. Au secours. Au secours. Bâtiment, champion allié est tombé. Au secours. Ouais, bon, j'aurais essayé quoi. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? J'aurais essayé. Chandry a survécu? Ah non. Ouais bon, tant pis. Tant pis les gars. J'entends la voix des lumières. Indiquez-moi. C'est juste une archère, c'est pas Chandry. J'entends la voix des lumières. Je suis prêt. Je suis prêt. Nous n'avons que peu de temps. La ville de notre allié a besoin de nous. Ashtoraman. Qui menace la nature? Je vous écoute. La déesse appelle. Ok. La ville de notre allié a besoin de... Ouais, mais la ville de notre allié là, c'est compliqué. Vers le ciel. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je pense qu'on a tenu assez longtemps. Il faut un certain courage pour m'affronter faible humaine. C'est le bordel, hein. Si seulement tes compatriotes avaient été aussi braves, j'aurais sans doute pris plus de plaisir à vous éradiquer de ce monde. Je pense pas que j'ai tenu aussi longtemps que tantôt, par contre. Tout ce dont les démons sont capables. Je me rends pas compte. Je pense vraiment pas que j'ai tenu aussi longtemps que tantôt. Parce que tantôt j'ai été attaqué par... Par Xehanort, j'allais dire. Pas laisser des petites mortelles se battre à ta place. Par le gros qui est derrière là, dans la cutscene. Donc j'ai moins bien tenu que tantôt, hein. Je suis un peu deg en vrai. La ville de notre allié a besoin de nous. Prêtresse, les morts vivants ont construit une nouvelle base. Ils amassent des troupes fraîches en vue de nous attaquer. Attends, c'est qu'est-ce qui gâche la vue quoi et la place de fuck quoi. J'aurais dû les péter dès le début.
Recherche terminée. Oh god, va falloir tenir vachement longtemps du côté des... Quoi, Axia ? Ah oui, c'est le... On va retenir, homme de l'Ouest. Pas assez d'or. Pas assez d'or, pas assez d'or. Et si assez d'or ? Ah, que la nature est belle. Il y a forcément assez d'or, les gens. Manuel de santé. Venez vous faire healer d'ailleurs, vous deux, non ? Ceci ne me dit rien, je viens. Ou quoi ? Par les vents. Notre heure est venue. Recherche terminée. Par qui sommes-nous envahis ? Recherche terminée. Vos ordres ? Je suis prêt. Il en soit ainsi. Construisez plus de puits. Que la nature est belle. Construisez plus de puits. Porté par les vents. Bien sûr, plus de puits de lune, t'inquiète. On construit 3, comme ça, si jamais on m'en casse, je suis toujours à 100. Recherche terminée, on améliore tout ça. Recherche terminée. Pourquoi j'ai autant pour la nature, notre heure est venue. D'hippogriffes sans archères. La ville de notre allié a besoin de nous. Oh god, j'ai même pas encore fait mes groupes. J'entends la voix des vos ordres. Nous sommes attaqués. Envoyez des renforts, vite. Oui, oui, oui. Je suis prêt. Je suis prêt. Par qui sommes-nous envahis ? Bâtiment construit. Éclairez-moi. Qu'il en soit ainsi. Recherche terminée. Y a pas d'archère. Je suis prêt. Je suis prêt. La nature. Je viens, porté par les vents. Par les lunes. Ok. Qu'il en soit ainsi. Éclairez-moi. Comment je peux déjà avoir 100 troupes sans avoir d'archer. J'entends la voix des lunes. J'attends. Je suis prêt. Vos ordres. Parlez. Mais en fait, j'ai fait des... What the fuck ? Pourquoi il me fait des bonhommes comme ça ? Mais il a baisé. J'ai pas besoin de moi de tous ces... La ville de, notre de tous ces cons. Je vais les envoyer crever. Pour mes frères. La déesse a des ordres. C'est entendu. J'attends. Mais quelle biaise. Je suis prêt. Quelle biaise. La déesse appelle. Parlez. Fort bien. On garde 2 au pire, mais les autres avaient crevé. C'est entendu. Tout ceci ne Je me dit prêt. Rien qui veille. Pour mes frères. Ashtoraman. Éclairez-moi. Oh. Elle est crevée, j'ai dit. Bâtiment Je construit. Suis prêt. Vos ordres. Nos guerriers Parlez. S'attaquent à l'ennemi. Éclairez-moi. Que la nature est belle. Ouais, mais sans archer. La ville de notre allié a besoin de nous. Éclairez-moi. Je suis dans la voie de Dieu. Notre heure est venue. Achetez-moi vos ordres. Vos ordres. Notre heure est venue. La ville de notre allié a besoin de nous. Au nom de Sénagère. Et. Oh god! Faut tuer le gros! Ok. La ville de notre allié a besoin de nous. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Un problème? Mais combien de chariots de viande ils ont fait, ces mecs-là? C'est des malades.
Nos guerriers s'attaquent. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? Je suis prête. Qui menace la nature? Ville de notre allié a besoin de nous. Ah bon? Éclairez-moi. Notre heure est venue. Merde. Je sers la déesse. Normalement, qui pèse sur ces terres. Censé être ok. Un appel pour la nature. Un problème? Vos ordres. Je suis prêt. J'attends. J'attends. Je vous écoute. Vos ordres. Notre heure est venue. Je suis prêt. Achetons-le. Parlez. Vos ordres. J'entends la voix du monde. Oh là là, mais what the fuck, tuez ça! Ok, on a tué quel tusade là, ou je ne sais quoi. Ah, c'est pas quel tusade ça, c'est juste une niche quoi. Juste ça y ressemble tellement que. Et je suis tellement focus que je pense pas à autre chose. Je suis prêt. Je pense pas à autre chose. Il me faut plus d'ours. Hein. Il faut des ours. Hein. Parlez. Vos ordres. Par qui sommes-nous envahis? La déesse appelle. Falloir. Régène un peu. Anudora. Je ne fais qu'un avec la. Il va falloir faire une petite pluie de vie là. Je suis prêt. Les ours. Le dormeur s'est réveillé. C'est tout ce qu'on voulait de la part du dormeur. Il se réveille. En ours. La ville de notre allié a on va faire un ultra là, je pense. Ouais, je sais pas si ça servait à quelque chose de faire un ultra en vrai. Quel appel pour la nature, notre heure est venue. La déesse appelle. C'est tellement fort que j'ai l'impression de l'avoir gâché un peu. Peu de temps. Le dormeur s'est réveillé. Paraît lune. Puis de vie. Ok, vu que ça se passe bien, on va sauvegarder. Et on va essayer de maintenant de chaque vague de la gérer le mieux possible. Le dormeur s'est réveillé. Oh, je sais ce qui manque. Je suis sûr qu'il y a des améliorations qu'on a oublié de continuer à faire. Ah, ça va, une seule. Vos ordres. J'attends. Vos ordres. Nous n'avons que peu de temps. Ma force est à votre service. Tout de suite. Par qui sommes-nous envahis? J'attends. Je sais. Appel pour la nature. Notre heure est venue. J'attends. Pour qu'elle donne. Notre heure est venue. Vos ordres. La ville nickel. De notre allié a besoin. Oui. Qu'il en soit ainsi. Oui. J'attends. La dryade. Quel appel pour la nature? Notre heure est venue. Ok. Oui. Malfurion Hill. En fait, faut que je fasse que des ours et des hippogriffes. C'est ça en fait la vérité. Le dormeur s'est réveillé. Tout ce que je dois faire tout le temps. Je suis prêt. Je suis prêt. Faut que ça arrête de faire des ours là parce que je peux plus créer d'unité du coup. Recherche faut que je les fasse vraiment quand il faut. Et faut que je regarde s'il y a d'autres améliorations à crafter. Non. Tout le monde a tout ce qu'il lui faut. Au pire, je peux créer des tourelles maintenant. Mais les tourelles, ça prend une unité de vie. Hein. Ces trucs là, ça compte comme unité de vie.
Je sais pas, je m'en rends pas compte. Non. Enfin, ça, est-ce que ça compte dans les vivres? Tu vois. On sauvegarde. Parce que les lucioles, c'est le cas et ils me prennent quand même beaucoup de place. Hein. Tout de suite. Par qui sommes-nous envahis? J'entends la voix des lunes. Ashtoraman. Vos ordres. J'attends. Ouais, il faut des humains, j'allais dire, il faut des archers. Il faut tout un groupe en vrai. J'ai pas assez d'archers, je trouve, pour faire la différence. On tient beaucoup mieux sur le frère là. Recherche terminée. Tout de suite, vos ordres. On s'attaque beaucoup mieux sur. Alors il me faut des comme ça. Pourquoi? Pour retirer les debuffs en fait. Et les debuffs de fatigue. Et c'est les druides de la serre qui les retirent. Je suis bête. C'est pour ça qu'il m'en faut en fait. C'est pour ça qu'il m'en faut. Notre heure est venue. Le problème c'est que j'ai l'impression, dans la merde parce qu'ils attaquent, c'est que les ours, ouais, ils coûtent 4 de bouffe. J'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup trop de lucioles et du coup je perds beaucoup de potentiel d'unité. Oh god, mes ours, revenez, la cité de la peur. Maintenant. Notre heure est venue. Je sers la déesse. J'attends. Les ours et des archers. Hein. Qui menace la nature? J'attends. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Oh là là. Notre heure est venue. Je suis prêt. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. J'attends. Ça tient plus ou moins. Au secours, il manque un archer. J'ai vraiment trop de lucioles. Est-ce que je peux pas les explosion? On va les faire exploser. Merde. J'aurais géré mes combats plutôt qu'être idiot. Elle est où Tyrande? Il faut que je lui fasse faire un truc de fou. Viens là. Oh, tu sais quoi, vas-y. En fait, je fais la pluie de dégâts. Et je peux pas faire la pluie de PV. Tu vas mourir. C'est insane, ça se passe bien. Et l'autre connard de la serre, il est pas là pour débuffer, il a plus de mana. Ah, il est encore là? What the fuck? J'attends.
J'entends la voix des lunes. Quelle est la menace qui pèse sur J'entends la voix des lunes. Je sers la déesse. Notre heure est venue. Est-ce que je peux enfin avoir 3 archers? Les 3 qui se créent. Et là je fais 1, 1. Faire du bois. Du wood, du wood, du wood. Alors ce que je vais faire, c'est comme on l'a dit, je vais niquer ces 3 là. Je pense que ils sont trop. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est une bonne idée ou pas. La ville de notre allié a besoin de nous. J'attends. Facile. Oh, je vais les faire exploser. Comment expliquer, mais c'est dur. Des orques, des ours. Tac, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 9. J'en m'en fasse des ours. Explosion, allez. Faut que je fasse des PV. Ça tient de fou, de fou, de fou. On est à 7 minutes, ils ont toujours pas détruit la base des orques. C'est abusé comment on tient. On tient tellement mieux depuis que je mets des archers sur les hippogriffes. Ça me dégoûte que je le faisais pas. J'en suis au point que ça me dégoûte. Oh, j'ai des ours qui arrivent, let's go! Au nom de Sénatus! Paris, j'attends. Comment tu rentres, faut qu'elle arrête de bouger là? Notre heure est venue. Les dormeurs se sont réveillés. La ville de notre allié a besoin de nous. Ouais, je sais. C'est pour des bêtises en plus. J'ai fait juste ce healer vite fait. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Pour Kalimdor, vos ordres. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? Le dormeur sur le terre. Ils n'ont aucune chance. Vos ordres. Ah, l'attaque pas, hein, ça me dégoûte. Hein. Sentinelle, à l'attaque.
J'attends. Par contre là c'est perdu. J'en ai fait 9. J'en ai fait 9. J'en ai fait 9. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Ashitora. Anudora. Thal qui vient pas combattre. Ça me dégoûte. Bon, va falloir que je les laisse mourir. Hein. Va falloir que je les laisse mourir et que j'aille recréer une base, je pense. Au nom de Scénarius. Ah bah non, visiblement non. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Qui menace la nature ? Le dormeur, c'est vrai. Et what the fuck, je vais mourir sans avoir pu faire quoi que ce soit. Parce que... La ville de notre allié a besoin de nous. Un champion allié est tombé. What the fuck? La voix des lunes. Ils n'ont aucune chance. La ville de notre allié a besoin de nous. Le bâtard. Le dormeur s'est réveillé. Ashtoraman, vos ordres. 10 minutes à tenir. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Normalement on peut pas les perdre là. Sont faibles, à peine dignes de on a tenu de ouf sur les orques. J'ai peine à croire que Manoroth se soit préoccupé de vous. Notre détermination est plus grande que tu l'imagines, démon. Si nous devons périr, soit. Au moins serons-nous morts en orques libres. Oh le petit coup. Ce méprisable avorton m'a blessé. Je crois que j'étais à 22 minutes ou 23 minutes quand j'avais perdu les orques avant. À combien là? J'étais moins bon avec Jaina, mais je crois que j'étais meilleur avec J'aurais lancé cette invasion il y a des siècles. Ah ouais, 10 minutes de plus. Vraiment, vraiment propre. Hein. Y a rien à dire là-dessus, je pense. Vraiment, on est très, très propre. Vos ordres. On est globalement intestable. Où dois-je frapper ? Qui menace la nature ? Prêtresse, les morts-vivants établissent un nouveau camp. Ils rassemblent toujours plus d'unités à chaque instant. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça ? Le dormeur s'est réveillé. Comment est-ce qu'on va gérer ? Oula. Comment est-ce qu'on va gérer la base? Est-ce qu'on fait... Ouais, je pense qu'on va... Je pense qu'on va créer le maximum de tower. Impossible de construire à cet endroit. Impossible de construire à cet endroit. De frères towerisants. Avec les feux follets qu'on a. Les feux follets qui sont là. Non, eux, je vais laisser gagner de l'argent au maximum. Ah, tu fais quoi ici? Ah, ouais, c'est vrai. Je sais ce qui se passe, moi. Alors, tous ces trucs arrivés. On va essayer de faire un maximum de bonhommes énervés. On peut. On va déraciner celui-là, déraciner celui-là. On va demander à celui-là de venir s'enraciner, je sais pas, moi, genre. Genre, oh mon dieu. Genre là, vas-y. Les tréants ne peuvent pas prendre racine ici. Toi. Ce serait bien que tu puisses venir là, mais visiblement, tu bloques un peu la route. Oh là, voilà, c'est parfait. Non, mais le furieux, on va être bloqué. Ouais, voilà les bâtards. J'ai
essayer de faire un truc, de créer des arbalétriers, enfin des arbalétriers. J'attends. Des tréants de... De la défense. Pour protéger. Il peut... Impossible de construire à cet endroit. Il est quelle heure? 3h? Ça va. Ça. Là, on sauvegarde. Et on est parti là-dessus. Parce que c'est la dernière mission, ça me hype trop. Je peux pas finir. Alors qu'on a pas fini ça. La dernière mission, les gars, normal. Ouais, c'est normal de réagir comme ça. Je sers la déesse. Limite normal. Bâtiment construit. Normal. Il souille notre sanctuaire. Bon, les feux follets, vous ramenez votre cul. Ici, on a encore les mecs. Ouais. J'espère qu'ils vont tenir le coup un petit peu. Ouais. Ça. Lui, il est full vie. Let's go. On va se sauvegarder. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me protéger? Moi, je pense qu'on est bon. Hein. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Rien que je peux améliorer. Les mecs font le max de dégâts. Je vais peut-être en garder un buffer. Je vais garder un buffer, un ours buffer. Ah là, je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse les ours dans un groupe 3. Notre heure est venue. Ashtoraman. Qu'il en soit ainsi. Nous n'avons que peu de temps. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Et utiliser tous ces feux follets pour faire des arbres là. Écoute pas assez, y'a pas assez d'arbres tireurs de mitraillettes. Qui menace la nature? Je suis prêt. Je suis prêt. Tout le monde est full vie. Ah bah. Je suis prêt. Ah, au secours. En fait, ils peuvent pas combattre. Ils peuvent pas combattre au-dessus de la forêt parce que je peux pas mettre Malfurion pour les healer. Donc là c'est trop chiant. Du coup, la phase des dragons, faut que je vais essayer de la faire sans ultra, juste avec Malfurion heal. Si avec Malfurion heal ça passe, c'est cool. En vrai, je vais tous les utiliser pour faire des trébucheurs. On va voir. Sanctuaire. On avait dit les héros groupe 1, les ours groupe 2. Et là les héros sont suffisants en vrai. Là il faut juste que Malfurion le prépositionne ici pour qu'il heal quand j'envoie les archers. Et Tyrande que je la mette là, que j'active son truc voilà ici. Le sommeil nos guerriers s'attaquent vers le ciel. Tout ceci ne me dit rien. J'entends la voix de Dieu. C'est une meilleure idée. On va pouvoir utiliser les towers. C'est pas pour rien que j'ai fait des archers. C'est pas pour rien que j'ai fait des arbres jeteurs de cailloux. Hein. Donc on va faire ça comme ça. Tout de suite. On va faire tous les ours en deux.
Non, tous eux en 2. Tous les ours en 3. Les 5 feux follets là ont traversé. Vous venez faire des arbres. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Ah voilà. Voilà. J'entends la voix des lunes. Une fois qu'eux ils sont morts. Paré lune. Tout de suite. On va peut-être faire l'ultra en vrai. L'ultra a combien de CD? Ils disent même pas le CD, c'est quand même dingue. Hein. Qu'il en soit ainsi. Ah mais ils vont attaquer des arbres qui sont pas finis, c'est ça qui je me dégoûte. Beaucoup mieux en vrai. Les arbres ont tanké à notre place en fait. Nos arbres ont tanké. Nos arbres ont tanké. Bâtiment construit. Il en manque combien? 4. Bâtiment construit. Oula. Ashtoraman. Qu'il en soit ainsi. J'attends. J'entends la voix des lunes. Je suis prête. Qui menace la Quelle est la menace qui pèse Nos sur cette terre s'attaquent à l'ennemi. En formation. La déesse s'appelle. Je ne suis pas avec vous. Je tire. Un mort. Nos guerriers s'attaquent. Ils n'ont aucune chance. Une mine d'or se défendrait. J'attends. J'entends la voix de l'ennemi. Notre frère est venu. La guerre s'appelle. J'attends. Vers le ciel. Ouf. Très bien. Vers le ciel. God. J'entends la voix de God tyrande, va te faire healer. Tout de suite. Vos ordres. Malfurion. Malfurion, la piscine de vie. On est même plus fou. Oh là là. On est même plus assez nombreux. Là on a 97. Ça va. Je vais faire un mec comme ça. Il reste 4 minutes. Franchement, c'est impossible qu'il détruise ma base en 4 minutes. Vos ordres. Et j'aurais fait le jeu en difficile, mon gars. Et ça, c'est beau. E5. Faire. Je vais faire des tréants. Protecteur de la protection partout. Il souille notre sanctuaire. Je viens à la voie des porté par les vents. J'attends. Acheteur de la protection. On focus. Un mob à la fois. On focus. On focus. On détruit les catapultes. Les catapultes. Notre sanctuaire. J'entends la voix des lunes. Où dois-je frapper? Oh fuck! Ils attaquaient des deux côtés, j'ai pas vu.
Bâtiment construit. C'est bon, on va faire des druides, c'est obligé. Bâtiment construit, bâtiment construit. Le Furion Hill. Il est où le mec bizarre qui est censé être là? Il peut pas retirer les debuffs là? Ah non, mais c'est elles qui font ça, non? Merde. Voilà, tout le monde focus et ça meurt vite. Toi, tu te transformes en truc et tu buffes des gars. Buffes des gars. Ils rendent. Tu bouges plus et tu fais des dégâts. Oh god! You gotta be kidding me, man. Tuer les démons. Engeance de je ne sais quoi. Malfurion au milieu pour healer. Heal Malfurion, heal. C'est gagné les gars, c'est gagné. 2 minutes 2, c'est impossible. C'est impossible qu'il rate. Merde, j'ai plus de... Mais travaillez, faites des ennemis, faites des alliés. Toi aussi. Faites des bonhommes. Faites des ours. Faites des ours. Qui pèse sur ces terres. Il est vous. Fort bien. Sur le champ. Retransformez-vous en ours. J'attends. Ashtoraman, vos ordres. Le dormeur s'est réveillé. Nous n'avons que peu de temps. Déesse, montre-moi la voie. En ours. Tout le monde. Le monde n'est fait que d'ours. J'attends. J'entends la voix des lunes. Le monde n'est fait que d'ours. Que d'ours. Les ours sont la vérité. Les ours sont la seule façon de voir les choses. Il. Alors, elfe de la nuit, que sont devenus votre fougue et votre courage d'antan? De quoi il parle? De quoi il parle? On les défonce tous. Il a pas prévu que j'avais compris qu'il fallait mettre des archers sur les hippogriffes. Oh god, y a Archimonde! Tuez-le! Tuez-le! Tuez-le, on vous dit! Le ralenti! Tuez-le! Franchement, on continue, on le tuait. Et c'est la victoire! My god, tout pété! J'ai eu la taille qui fait, le bâtard! La victoire d'Archimonde l'a rendu trop sûr de lui. Il ne verra le piège que je lui ai tendu que quand il sera trop tard. Mais il peut toujours pas passer. Il y a le caillou. Est ouverte. Contemplez votre fin mortelle. Votre dernière heure a sonné. Et là, la cutscene incroyable de la fin du jeu. Les étrangers ont tenu autant qu'ils le pouvaient. As-tu réussi à organiser la défense du sommet? Oui. Désormais, notre victoire est assurée. Les hippogriffes étaient la solution. La taille du gars. Thank you.
Les racines finiront par guérir, ainsi que le reste du monde. Les sacrifices ont été accomplis. Les orques, les humains et les elfes de la nuit ont oublié leur vieille rancœur et ont combattu ensemble un ennemi commun. La nature elle-même a fait front pour bannir l'obscurité à jamais. Quant à moi, je suis revenu pour m'assurer qu'il y aura un avenir, pour enseigner au monde qu'il n'a plus besoin de gardiens. L'espoir des générations à venir a toujours reposé entre les mains des mortels. Et maintenant que ma tâche est achevée, je vais reprendre ma place parmi les légendes du passé. Mais quel jeu! Qu'est-ce qu'il est bien. Franchement, l'univers, tout est si agréable dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir. 9 victimes parmi les héros, hein, 410 victimes parmi les unités. On n'a pas détruit de bâtiment forcément. Sympa la ciné. Mais surtout, maintenant que tu as vu à travers tout ce jeu l'univers de Warcraft avec Arthas qui se fait corrompre par le fléau et qui devient et qui devient un mort-vivant. La destruction de Lordaeron où on a tué nous-mêmes toute la ville, la trahison d'Arthas qui tue son roi, qui récupère Frostroumour en mentant à ses hommes, qui tue son propre chef Uther. Pareil avec Jaina qui essaye d'avertir les mages et pourtant les mages se font détruire. Dalaran qui se fait détruire, toute la race des elfes de sang qui se fait génocider par les morts-vivants. Tout le nord des royaumes de l'Est détruit par le fléau. Ils fuient tous à Kalimdor. Les orques qui on apprend qu'au final ils ont été invoqués par Medivh. Qu'en fait c'était des larbins de la Légion, qu'ils ont simplement corrompu ce peuple sur une autre planète pour les utiliser comme soldats. Genre, franchement l'univers est si fou, si bien foutu. Et en plus dans ce jeu il y a cette musique qui est genre incroyable. Hein ? Non, franchement le jeu est dingue. Et en fait faut s'imaginer que dans ce contexte de fou, où au final tous les persos se rejoignent pour combattre l'ennemi commun, alors qu'il y avait les elfes de la nuit qui avaient déjà vaincu la Légion tout seul il y a 10 000 ans grâce à Illidan. Ils récupèrent Illidan qui réussit à vaincre l'un des chefs des méchants, mais qui a récupéré le crâne de Gul'dan. Crâne de Gul'dan qui lui-même est le crâne d'un orc qui avant avait été un chaman, qui avait récupéré des pouvoirs démoniaques pour corrompre les orcs. Bref. Il y a trop de trucs incroyables. En 3 lignes, ce qui est marrant, c'est qu'en 3 lignes de dialogue, il y a Medivh qui explique tout le film du World of Warcraft. Bref, pour moi, c'est un univers peut-être aussi complet que Sirens of the Lambs. En tout cas, il est vraiment, vraiment poussé. Et dans cet univers-là, t'as WoW qui sort quelques années plus tard. Je sais plus exactement combien d'années plus tard, d'ailleurs. WoW, c'est en 2014. En 2004. Warcraft 3, c'est quand ? Warcraft 3, c'est en 2002, deux ans plus tard, t'as WoW qui sort. Franchement, c'est quand même incroyable. C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste ce qui arrive à WoW. Je pense que jusqu'à WoW reste incroyable jusqu'à l'époque de Lich King, parce que Lich King, à la fin, tu tues Arthas. Qui est au final le méchant de Warcraft 3 quelque part. Il y a encore le DLC bien sûr qu'on va pouvoir faire. Mais c'est fini pour l'histoire principale. Le reste ici, la campagne des sentinelles, c'est le DLC. Oula, au lieu de m'ouvrir un menu, il va sans doute lancer directement. Oui, voilà, il va lancer directement la mission. C'est pas grave, juste la quitter. Mais ouais, c'est trop bien. On va simplement voir ce que devient Illidan. Ce qui déjà met en place la première extension
qui va déjà mettre en place la première extension de joueur en ligne, c'est pas grave. Qui va déjà mettre en place la première extension de WoW alors qu'il n'y a même pas eu l'extension. Regardez, il y a plein de chapitres hein, dans le DLC. Le DLC c'est quand même pas mal quand tu vois que le jeu il a genre 5 icônes, enfin, 5 campagnes et là qu'il y en a 4. Même pas mal. Bref, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé jouer à WoW classique quand il est sorti. Et que j'ai kiffé level up dans WoW l'extension. Et que c'est pareil, les raids pour faire Kel'Thuzad, ça fait du sens vu que Kel'Thuzad ben, il est dans ce jeu là. Faire les raids pour tuer Illidan, c'est pareil, ça fait du sens, etc. Après ils ont mis des persos comme Ragnarok et tout ça, mais on s'en fout, tu vois. Je sais pas comment expliquer que la hype qu'il y a dans WoW, elle est à cause de ce jeu, c'est à cause de ce jeu qu'elle existe. C'est parce que WoW c'est Warcraft 4. Les DLC je vais les faire parce que la dernière cutscene elle est incroyable et j'aime trop l'univers de Warcraft. Je suis sûr que si j'avais eu l'argent pour me payer les abonnements quand j'étais petit, j'aurais sans doute beaucoup joué à WoW. En tout cas quand j'étais petit j'ai beaucoup joué à Warcraft 3, beaucoup joué au jeu du Seigneur des Anneaux aussi, en tactical. Enfin en RTS, c'était un peu mes RTS du cœur quoi. Et c'est ce qui fait un peu que ce jeu est incroyable. Alors c'est Reforged, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Reforged mais voilà quoi. Il aurait pas eu Dien Best Honor, si parce que Final Fantasy j'y joue depuis que je suis petit aussi. Mais alors que j'ai même pas joué à WoW à l'époque où c'était relevant et tout. Je comprends pas comment on peut autant cracher sur le jeu. Parce que moi, tout ce que j'ai vécu dans WoW, c'était que du positif, tu vois. Après, moi, j'ai pas joué les dernières extensions et tout, le monde rage dessus, tu vois. Mais même si ça devient de la merde, moi, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. Et genre, Warcraft 3, et je suis sûr que, en tout cas pour mon expérience de classique sur le jeu de base et TBC, ben, je suis content, tu vois. C'est cool de voir un MMO qui continue cette histoire-là. Par exemple, quand ils ont fait le Seigneur des Anneaux Online, j'aurais aimé que ce soit aussi épique que WoW, parce que l'univers du Seigneur des Anneaux est incroyable, pourtant, mais le MMO Seigneur des Anneaux, il est pas dingue. J'ai joué, il est pas fou à l'époque. Après, il a un peu lancé le genre, hein, parce qu'à l'époque... les mots qu'il y avait, ils étaient pas dingues non plus. Mais c'était suffisant pour partir à l'aventure. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que... Warcraft 3, si c'est pas Reforged, le jeu de base, quoi, ça en vaut la peine pour l'univers. J'aime trop les elfes de la nuit. Mais j'avais pas fait un elfe de la nuit, j'avais fait un nain. C'est vrai qu'on joue pas les nains. Les nains font partie de l'Alliance. Donc, voilà. Voilà. On va s'arrêter là, je vais arrêter de radoter sur le fait que j'aime bien le jeu. Mais voilà, moi je trouve ça trop triste, tous les gens qui trashent tout le coup gratuitement en ce moment parce que WoW meurt. C'est sans doute les développeurs, c'est des connards et ils méritent, tu vois. Mais je suis sûr que les gars qui eux ont travaillé sur WoW à l'époque et tout, qui sont peut-être plus chez Blizzard et tout, ils voient ça, ils doivent être dégoûtés, tu vois. Parce que c'est un peu leur bébé, j'imagine, le jeu. Triste que maintenant, il y ait juste des gens qui font n'importe quoi. Ou alors, c'est les mêmes gars, ils ont changé, et c'est triste aussi. Bref. Bills Ubisoft, man. Ah, je rigole. On laisse tomber.